C'est ça. C'est ainsi que quoi? L'aubert balaie les règles, les monstres. Les monstres que... Les monstres de la femme là. C'est l'aubert, c'est de la règle. C'est pas sa répression, je ne comprends pas là. Je ne comprends pas les règles là. Il fait quoi? Il balaie les règles, les monstres. Les monstres que vous voyez, c'est les règles. C'est exactement quoi? C'est cette mauvaise... vient de quoi? De cette mauvaise répression. C'est-à-dire bien de l'usage de la règle pour trouver quoi, pour trouver le milieu de cinq. Elle, on l'appelait monstre. Monstre. Si je vois ceci, il appelle la lettre comme ça. Je vois quoi? Je vois instrument. C'est un instrument pour faire quoi? C'est seulement pour trois, comme quoi trouver, pour trouver eux comme ça, je lis ça, je sais pas quoi, ça fait milieu, c'est la définition de milieu. Pour trouver le milieu, ma comme quoi? Ma comme quoi? Segment, le segment, ST, ça fait R, c'est la définition de R. Cet instrument pour trouver le milieu des segments est quoi? Maintenant, masse comme quoi? Mensonge. C'est mensonge. L'instrument là, cet instrument c'est la règle. Pour trouver le milieu des segments, c'est mensonge. C'est comme ça. Et c'est ce mensonge là que quoi que l'auteur balaye. Pas sa réflexion, en lui disant les gens le copain, les gens pour réfléchir. Et c'est quoi? C'est mauvais la règle. Tous vos problèmes, c'est quoi? C'est tous vos problèmes. Vous êtes bloqué, vous réfléchissez, vous êtes bloqué, c'est parce que vous utilisez la règle. Si vous prenez le compas, comme je suis en train de le faire, vous allez résoudre ça, tous vos problèmes. On continue. On va continuer. Tu vas approfondir ça encore plus loin. Comment on utilise le compas? Faut pas qu'on se perde. Pour ceci, c'est pour expliquer quoi? Pourquoi le miroir est toujours dans sa période d'ovulation. Le miroir est comme qui est toujours dans sa période d'ovulation. Parce qu'il n'a pas quoi? Parce qu'il n'a pas, il n'a pas le cerveau. Il n'a pas le cerveau comme vous. Le cerveau qui est de la tête, il n'a pas ça. Il a seulement comme c'est l'ovaire qui joue le début de ce cerveau. Il a seulement l'ovaire. Ce cerveau-là. Qui bat les chambres de règles. Donc, miroir n'a, c'est une femme qui n'a jamais de règles. Les règles, comme je l'ai dit, ça promet quoi? Ça promet de cette mauvaise imagination, cette mauvaise réflexion. Les règles, moi, c'est que la femme qui répond, ça promet de quoi? De la règle. Là. Cette mauvaise impression pour trouver le milieu des segments. Alors que lui n'a pas quoi? Il n'a pas. Donc lui ne réfléchit pas comme ça. Donc voilà pourquoi. Et le miroir n'a pas. Le miroir, c'est une femme qui n'a jamais de règles. Il n'a jamais de monstres. Il est toujours dans sa période d'ovulation. Et prends le compas. Elle est toujours dans sa période d'ovulation, ça veut dire quoi? Le miroir est toujours accompagné de l'ovule. L'ovule est toujours avec lui. Et c'est quoi? C'est quoi cet ovule là? L'ovule qui est toujours avec le miroir. Qui est toujours avec l'ovaire du miroir. C'est quoi cet ovule là? Je veux dire que quoi? Et l'ovaire là, l'ovaire utilise le compas, il n'utilise pas la règle. C'est quoi le compas là? Regardez le compas.